Bonjour mes amis Balance, voici votre tirage pour donc ce mois euh, de mai. Je suis désolée si je n'ai pas pu être aussi présente ce que je désirais. Euh, J'ai eu euh, voilà un, un, des contretemps dans ma famille qui m'a pas. Alors voilà votre tirage pour le mois de mai et ce que disent les oracles pour vous mes amis Balance. Alors d'abord voilà. Donc vous voyez, il y a quand même ce côté euh, amitié. On dit on parle aussi de fidélité au niveau des amis. On s'entend plutôt bien. Il y a une bonne entente effectivement dans le tissu, on va dire, amical mais aussi professionnel. Donc sur ce mois de mai, certains balances vont être quand même contents de retrouver. On va dire le chemin du travail, mais aussi les amis. Voilà, euh, la bonne entente, on va être très heureux de se retrouver. Euh, donc peut-être la rouverture effectivement de certains magasins euh, ou d'une partie euh, restauration, mais en attendant, il y a quand même ce côté euh, travail, euh, amitié dans le travail, on est heureux de se retrouver. Un autre message. Voilà, alors on parle, alors l'autre message de ce mois euh, va est sous le signe quand même, euh, on va dire, des... Euh, comme vous voyez, c'est quand même euh, on, on accuse la personne qui se protège. Donc elle se protège, on va dire, des accusations. Qui vont être profanés euh, contre elle. Voilà. Donc c'est une personne, vous voyez, qui se protège dans un gros tissu, comme un gros drap. Euh, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité quand même en face. Donc on lui dit, mais enfin, tu tu, tu te caches. Euh, donc vous voyez, on est on est dans un parapluie, sous le parapluie. Donc en fait, on veut se protéger de ce qui peut venir d'en haut, d'en bas, d'en face. Donc on se sent quand même effectivement anxieux par rapport peut-être à, à des actions qu'on a fait euh, plus jeune ou dans sa vie et que maintenant, eh bien, on nous reproche. Euh, voilà. Donc attention, euh, protégez-vous justement, balance, parce que le mois de mai va être moi pour moi, de, de gens qui vont vous dire carrément la vérité en face. Voilà. Et on dit que de toute façon, vous en aurez pour trois mois. Donc, c'est quelque chose qui arrive là, mais vous en aurez aussi pour l'été. Ensuite, euh, voilà, il y a des... Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le tissu sentimental Si on fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent... On attend le retour au travail ou on attend le retour d'affection par rapport à une collègue euh, du, du travail dans le tissu euh, sentimental. Donc, on attend des nouvelles de cette personne. Donc, vous voyez, on attend le retour d'amour, mais aussi on attend des nouvelles de cette personne. Donc, pour moi, vous attendez le retour d'un ex ou de nouvelles d'une personne qui était dans votre vie jusqu'à présent. Voilà. Puisque cette personne, vous voyez, elle a pris quand même la poudre d'escampette par rapport à vous. Donc, elle a créé, à mon sens, vous voyez, c'est quelqu'un qui est parti, hein, qui est symbolisé là par la fusée. Donc, c'est quelqu'un qui est parti, qui voyage, peut-être même qui est à l'étranger, qui a mis quand même une distance entre vous et elle. Voilà. Sauf qu'attention, on dit aussi quand même que vous êtes dans votre film. Vous voyez, vous êtes quand même un peu dans vos films vous vous croyez qu'il y a des choses qui peuvent se passer justement avec la personne qui est au travail avec vous et euh, ça peut très bien ne pas se réaliser. Donc on va voir qu'est-ce que vont dire euh, les autres euh, donc je vais travailler maintenant avec l'oracle lumière savoir qu'est-ce qui se passe pour vous ami euh, ami balance sur ce mois de Allez, or déjà. Donc, vous voyez, déjà, on parle de quelque chose de nouveau. Mais on dit aussi qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fera dans la soirée. Donc, pour moi, il y a des choses qui avancent pour vous. Donc, vous voyez, comme je dis, peut-être au niveau du professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, les balances. Donc, attention par rapport à ça. Ensuite, voilà, on dit qu'effectivement, si vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel, vous voyez, vous avez la réussite. S'il y a des balances qui passent des examens, il y a la réussite aussi. Il y a la réussite dans le couple. Donc, ça veut dire qu'il y a une signature, là. Il y a une signature dans le travail. Pour moi il y a un projet qui se fait avec une signature par rapport au job si on le regarde sur le côté sentimental eh ben nouvelle, re euh, nouvelle relation qui peut être scellée aussi vous voyez par des anneaux par un mariage mais attention quand même balance sur ce mois de mai c'est le mois de marie le mois de marie pour les mariages n'est pas bon en tout cas euh, moi tous les mariages qui se sont faits sur le mois de mai que j'ai connus ou celle que j'ai été invitée se sont soldés par un divorce des années plus tard. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, on dit qu'il y aura bien un mariage pendant des mois, vous voyez, de vacances. Donc, pour moi, c'est peut-être pendant l'été. Euh... Ouais, c'est peut-être pendant l'été. Mais on dit que de toute façon, si vous êtes dans une relation de couple, vous voyez perte de temps. Donc, attention. Vous attendez des nouvelles de cette personne. Surtout d'une femme, pour certaines balances. Donc, attention à ce qui peut vous arriver par rapport à cette relation qui peut-être n'est pas durable. Alors, on va voir maintenant avec, vous savez, mon triade. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport à ça Alors, les messages, balance avec mon triade. Alors. Bon, ben voilà. Hein, je crois que là c'est clair. Alors je sais pas si on voit très très bien, mais moi pour moi euh, c'est une relation qui n'ira pas très très loin. D'abord parce que euh, ça fait plusieurs fois que cette relation euh, se fait, hein. on casse, on reprend, on casse, on se prend. On dit qu'il y a un changement de cap. Vous euh, voyez, on dit qu'à force de, de réfléchir, cette relation eh ben, elle est finie. Par, 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 par changer. On parle aussi donc de, de, de changement, de, de bouleversement dans la relation. Il y a un changement de cap. Donc, soit vous avancez, soit effectivement vous allez peut-être euh, passer à autre chose. Mais de toute façon, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Pourquoi Parce que comme vous pouvez le voir, ça fait un moment que ça tourne en rond. Pour moi, ça fait très longtemps que vous êtes dans une relation et ça fait très longtemps que ça tourne un petit peu en rond. Donc ne croyez pas que vous allez avoir une évolution sentimentale avec cette personne parce que là, c'est peine perdue. Cette personne, elle prend beaucoup de choses sur elle, comme on l'a vu tout à l'heure, la culpabilité. Et on dit que de toute façon ça ne va pas aller très loin. Donc on a quand même cette forme de de remords, de tristesse. Peut-être qu'on en a on en a plein le dos aussi, hein. peut-être qu'on en a assez de prendre beaucoup de choses sur soi. Et on se sent un peu condamné dans cette relation parce que ça fait un bon moment qu'on y est. Ensuite, euh, alors on dit que vous vous faites de l'illusion par rapport à une relation qui peut redémarrer. Donc là, on dit clairement, oui, on aimerait que cette relation se redémarre. Mais pour moi, il y a un nouvel amour qui vous attend, pour moi, vous voyez, sur le mois entre, euh, pour moi, d'ici euh, pas longtemps. Donc en tout cas, maximum 18 mois. Maintenant, euh, c'est peine perdue. Vous espérez chaque fois, encore une fois, que cette relation redémarre, etc. Mais sur ce mois de mai, ça peut redémarrer, mais ça recassera. Donc, on vous dit de passer à autre chose et d'aller vraiment sur une nouvelle relation. Ensuite, vous voyez, il y a de toute façon une cassure. Voilà. Voilà. Pour moi, il y a quand même cette, cette notion de cassure. Et euh, voilà, il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter et qui risque un peu de vous, de vous tracasser. Voilà. Vous voyez? Donc, arrêtez de pardonner à l'autre, c'est tracasserie. Cette relation, vous voyez entre l'eau et le feu, vous vous fermez quand même les yeux par rapport à une situation qui est déjà euh, le verre est déjà dans le fruit. Hein. Donc à un moment donné, il euh, faut passer quand même autre chose au niveau du sentimental. Et puis ça fait un bon moment que peut-être il y a chambre à part ou que chacun fait un peu sa vie. Hein. En tout cas, il y a un truc, il y a, y a un côté quand même très très indépendant sur cette relation. Ça peut dire aussi au niveau sentimental qu'il y a une personne qui travaille dans le secteur aussi de, euh, qui est indépendant. Hein. Donc pour moi, maintenant on dit qu'il y a quand même dans le, pour la balance homme ou femme, on dit aussi qu'il y en a un qui est en train de vivre une histoire d'amour mais qui n'est pas encore dévoilée. Donc attention par rapport à cette histoire d'amour parce que cette histoire d'amour euh, pour moi... Euh, va être dévoilé euh, pour moi sur ce mois de mai. Hein. voilà. voyez, nouvelle rencontre. voilà donc on dit aussi qu'il y a des personnes peut-être qui peuvent être en remise de, de, de relation, mais ça ne se fera pas. alors on va on, je vais faire quand même la synthèse par rapport à vous. Hein. donc on va voir qu'est-ce que ça donne. donc on va un peu déplacer la caméra. je vais faire comme ça. Et on va voir cette synthèse. Bon, je ne sais pas si on va, on va bien la voir. Je ne sais pas si on verra bien cette synthèse. Mais en attendant, on dit que les choses vont arriver. Alors comment je peux voir la synthèse Allez, on y va. Synthèse pour vous, les balances. Alors la synthèse. Allez. Nouveau départ. Voyez, donc nouveau départ. On ouvre la porte vers quelque chose, vers une nouvelle destinée. Donc vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Il y a peut-être des balances aussi qui sont dans le, dans le déménagement là. donc pour moi il y a une ouverture vers une nouvelle relation et on dit bien que c'est vous qui avez la clé donc c'est vous qui devez prendre vous voyez cette décision voilà donc il y a bien une décision quand même à prendre voilà euh, On dit que de toute façon, vous avez rencontré la personne qui vous faut, donc vous avez quand même une certaine attirance envers cette personne. Voilà. On dit que peut-être certaines balances passeront par la voie de la justice, voire du divorce. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une idée de culpabilité. Donc vous voyez, là vous êtes vous le coupable. Le juge il est en face de vous. L'avocat il essaye de vous défendre, mais pour moi il y a bien un verdict qui est là. Donc, il y a bien une séparation sur ce mois de mai pour certains. Autre chose, la fameuse maison qu'on avait vue, donc là, vous voyez, on met la clé, la maison est juste derrière. Donc, ça veut dire que pour certains, on va passer par une voie de notaire pour acquérir ou vendre une maison. Mais de toute façon, là, il y a bien une vente qui se fera pour certains balances sur ce mois de mai. Alors. On parle quand même d'instabilité. Ben oui, vous êtes un signe quand même balance, hein, comme ça, euh, vous essayez de voir le, le mieux et ce qui n'est pas. Euh, donc pour moi, euh, les balances sur ce mois de mai, on va réfléchir au niveau de la loi. Peut-être que certains balances vont rester à la maison, ou peut-être qu'ils vont partir à maison de retraite. En tout cas, on se questionne par rapport au domicile sur les balances sur ce mois, donc de euh, mai. Voilà. On dit que de toute façon, le changement n'arrivera pas pour moi euh, avant la rentrée voire peut-être l'été. Voilà. On dit que pour l'instant, il y a certaines balances qu'ont les enfants, donc à la maison, donc c'est vos propres enfants qui sont chez vous balance, qui sont en train donc de vous de s'occuper de vous ou en tout cas de réfléchir à ce que doit devenir la maison, il y a des balances aussi peut-être qui sont en couple. Et qui sont en train de regarder s'ils veulent la garde partagée ou s'ils veulent une garde alternée, mais en tout cas il y aura une histoire quand même de juge et de loi qui sera là. Voilà, on dit qu'on essaye de se protéger, donc les balances essayent quand même euh, de se protéger par rapport à tout ce qui pourrait venir de, euh, de l'extérieur, parce que vous voyez, ils ont un œil au-dessus d'eux qui caractérise, on, ils regardent quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'ils savent déjà qu'est-ce qui peut leur arriver. Euh, ils ont un peu d'intuition, les balances. Voilà. Donc, quand même, il y a le retour de l'amour hein, pour eux. Donc, quand même, euh, s'ils n'en ont pas, ils vont en avoir. Et encore une fois, comme je le disais, il y a l'intervention de la loi. Donc, pour faire une synthèse à mi-balance, sur ce mois de mai, il va être question de signature de contrat. De vente de maison ou d'achat de maison, d'un placement maison de retraite ou d'un retour à domicile ou on reste à domicile. Et peut-être c'est vos enfants qui s'occuperont donc de vous, mais toujours avec le caractère de la loi. Voilà pour ce mois de mai. Balance, je vous fais de gros 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 poutous pour ce mois de mai. Le mois de Marie, euh, je vous fais de gros mimi. Et puis n'oubliez pas de liker. Euh, sur le lien que vous trouverez en bas de la vidéo, de partager, de commenter. Voilà, je vous dis à très bientôt, mes amis. Balance pour le mois de juin. Au revoir.